Engagée au sein de l'initiative One Forest Vision, la rencontre de ces trentaines de scientifiques locaux et internationaux donne le coup d'envoi du programme de gestion durable des forêts, le bilan carbone fiable, la conservation de la biodiversité végétale et l'occupation des terres en cours au Gabon. Et pour nous, avec nos collègues français, moyen de mettre en place des projets qui vont permettre de mesurer ça et de donner des indicateurs au pouvoir public pour qu'ils prennent des décisions qui permettent de gérer au mieux cette ressource qui est vraiment notre première ressource importante après le pétrole. Ce programme, réparti en deux phases, théorique et pratique, vise à renforcer les capacités scientifiques sur des thématiques clés telles que la surveillance des stocks de carbone et la biodiversité des forêts tropicales d'Afrique centrale, tout en appuyant la mise en œuvre des partenariats pour la forêt, la nature et le climat. Des bases terrain où certains de nos chercheurs présenteront les activités qu'ils mènent généralement enfin, aux autres membres du groupe pour que tout le groupe soit au même niveau de connaissance. Pour de meilleures connaissances de la flore gabonaise grâce à des approches interdisciplinaires, la technologie n'est pas en reste. L'idée de PlanNet, c'est vraiment de mettre à disposition une application qui est gratuite, qui permet aux gens de photographier une plante et de demander à l'application ce que c'est. Et l'application leur propose des résultats qui peuvent être pertinents ou non. Et si des gens ont des connaissances en botanique, ils partagent cette photo, ils donnent le nom et ça permet à d'autres personnes qui ne sont pas dans la région, qui ne connaissent pas ces plantes, de savoir ce que c'est. Entre recommandations concrètes attendues pour renforcer la conservation des forêts tropicales au Gabon, un réseau de scientifiques devrait voir le jour d'ici à la fin de la formation pour suivre et évaluer l'impact des efforts de conservation dans le pays.